Madame, messieurs, mesdemoiselles, jeunes gens, jeunes passionnés, passionnés tout court, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais présenter un produit, peut-être même deux. Nous allons voir en fonction de l'évolution de la vidéo. Donc il n'y a plus beaucoup de vidéos parce que j'avais beaucoup de travail, le site, etc. Entre-temps, j'ai été gratifié du titre d'artisan d'art. Et voilà ma nouvelle carte de visite. Aujourd'hui, le verre n'a plus aucun secret pour moi. Et je prends plaisir à le travailler. Ce qui me permet d'aboutir à un travail de qualité. Je vais ici vous présenter le nouveau tube qui vient de sortir. Mais nous allons y revenir dans quelques petites minutes. Je vous présente déjà la pièce où les fourmis, vous aurez un visuel sur les fourmis. Parce que le tube a deux étages et donc vous pourrez voir le cas échéant, les fourmis par la partie inférieure du tube. Nous avons ici deux modèles de tubes. Le modèle très haut de gamme et le modèle haut de gamme. Ces tubes sont protégés dans des étuis pour éviter qu'ils soient cassés, car ils m'ont coûté beaucoup d'heures de travail, de recherche et de développement. Un gravage discret du nom d'entreprise est effectué sur ce tube, qui est un gage de qualité. Le modèle très haut de gamme est ici. Vous pourrez les retrouver sur le site antlabs.fr. Des petits repose-tube d'une non-entreprise. Et voilà le fleuron, l'un des produits les plus haut de gamme du site. 4 micro-perçages en 0,01 et 0,02 dixième, d'une précision sans aucun éclat. Tout est parfaitement aligné. Des aires de chasse, plusieurs modèles existent. Avec déco, sans déco, ce sont les clients qui choisissent. Il existe des modèles avec des améliorations. Comme celui-ci. Où nous pouvons sécuriser. Le tube. Nous allons monter le premier. Le but du jeu est de tomber en face du porte-tube. Voilà. On va monter le deuxième. Nous avons apporté une petite touche personnelle artisanale
en plaçant une décoration qui permet aux fourmis une aisance et elles peuvent ainsi rentrer en tube plus facilement sans escalader le verre, le côté un petit peu naturel. Nous avons gravé une petite fourmi sur des mangeoires. Le gravage est en dessous pour vous permettre de mettre dans la partie arrondie le miel là pour pas qu'elle ne coule sur l'aire de chasse. Nous pouvons aussi y apporter quelques décorations. À ceci, nous pouvons y apporter des mangeoires. De nombreux modèles d'abreuvoirs sont inventés tous les ans. Nous ne mettons en vente que les modèles testés et approuvés par Antlabs. Un contrôle qualité très rigoureux sélectionne les meilleurs modèles. Avec ces modèles, vous n'avez aucune noyade, aucune fourmi qui déménage à l'intérieur, qui met le couvain, aucune moisissure. Aucun problème avec les fourmis. Une transparence. On pourrait même la mettre sur la petite décoration. Comme ça, si mesdemoiselles les fourmis veulent boire, elles seront obligées de faire un petit peu d'escalade. Nous avons aussi des mangeoires entièrement taillées dans le verre. Des mangeoires aujourd'hui que nous usinons dans le verre, pardon. Et nous pouvons y mettre. Tout est usiné. Et nous allons plus loin. Nous faisons des couvercles avec de jolies aérations. C'est du verre. Il vous suffit de bien mettre et rien ne dépasse. Vous pouvez prendre le carreau sans tenir, rien ne se sauve. Tout tient parfaitement. C'est un travail de professionnel. Les supports n'ont pas été appliqués sur les carreaux car aujourd'hui c'est une présentation un petit peu dans l'urgence car le client attend son kit. Mais nous mettrons des patins en silicone comme sur les aires de chasse, sans colle et sans silicone, sans aucun produit toxique pour les fourmis. Je vais pousser les cartes d'artisan et je vais vous mettre ici en vidéo, mesdames et messieurs, le travail effectué sur le verre. Antlabs aujourd'hui fabrique des aires de chasse sur mesure et de nombreuses autres choses. Une autre aire de chasse sans colle, sans silicone.
des gravages de fourmis sur les carreaux, parfaitement alignés avec l'air de chasse. Idem pour ce magnifique carreau et cette magnifique aire de chasse. Entièrement usiné à la main, travaillé à la main, c'est un travail artisanal. Nous pouvons aussi personnaliser les tubes en fonction de vos exigences. Nous nous sommes même permis de mettre une petite rondelle pour garder le plus longtemps sur ce tube et garder cette fleur plus longtemps collée à cette magnifique aire de chasse. Ce sont aujourd'hui quelques possibilités de Antlabs pour fournir des habitats pour vos fourmis, sans colle, sans silicone, sans aucun produit nocif, avec un travail de verre de qualité, entièrement démontable. Toutes les pièces que vous voyez devant vous sont toutes démontables et lavables, que ce soit pour les tubes, les aires de chasse. Tout ce que vous voyez ici est complètement démontable, rien n'est collé à la colle. Nous nous efforçons de créer des produits sans colle, sans silicone, donc nocifs pour les fourmis. Et voilà les heureux élus qui vont aller vivre dans le tube où il y a le nom marqué sur le carreau ici, Camponotus lateralis. Voilà l'heureux élu avec ses ouvrières. J'espère que cette vidéo vous a plu, que les produits vous ont séduit. Vous pourrez les retrouver sur le site Antlabs. Vous voyez ici en transparent sur mon doigt. .fr. Antlabs fabrique aussi et sous-traite des produits pour des chauffages à chaleur douce entièrement réglables qui vont se mettre ici sur ces kits pour vous permettre de réussir tous les élevages avec des transfos de très haute qualité de puissance avec des disjoncteurs pour ne pas mettre le feu à votre maison. Voilà, je vous dis à bientôt pour la présentation d'un autre produit en espérant que cette vidéo vous a plu. Au revoir.